Good morning, Ale Iden, les tu seras aujourd'hui, les Lenishmat, Eliaou Venish, Rachel Batsara, Rivka Batsara et Chaim Eliaou, Ben Shalom Nouski. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Baba Metzia, Perek He Mishnah He. Shamin, Para, Vechamor, Vechol Davar, Shivose, Veochel, El Mechetza. Makom, Shenaagou, Lachalok et Avladot, Miyad, Yecholkin. מקום שנהגו לגדל, יגדלו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שמין עגל עם אמו, הוא שיח עם אמו, הוא מפריז על שדהו, ואינו חושש משום ריבית. נות משנה קונטינו, למען פרנסיפ, דולה משנה דלת. En apportant à présent plus de précision, et c'est super pour nous, comme ça, ça va être une occasion de reprendre maintenant, de manière plus succincte, le principe de la Mishnah Dalet. En expliquant un peu mieux, parce que personnellement, j'ai moi-même mieux compris le principe, comment ça marche. Et voilà. Concrètement, on parle dans nos Mishnayot d'abord d'une personne qui a un petit veau, un petit âne qui vient de naître, qui veut mettre en élevage chez un éleveur. Et ensuite, après 2 ou 3 ans, lorsqu'il atteint une certaine taille, âge, maturité, adulte, quoi, on va ensuite le vendre et il va coûter beaucoup plus cher, et comme ça, il y aura plus de bénéfices. Donc je veux le mettre en élevage. En théorie, il n'y a aucun problème de ribit. Je prends une personne, on va prendre Réhouven. Je prends Réhouven, je lui mets mon petit veau, je lui dis, tu sais quoi, travaille avec lui, va le faire paître, élève-le, fais-le grossir, et dans 2 ans, tu le vends, ou je le vends, tu le vends, et il coûtait 1000 initialement, il va coûter 5000, on se partage, tu touches ta paye alors sur tes 2 ans d'investissement, tu touches tes 2000, et moi je touche mes 2000 aussi de bénéfices. En théorie, il n'y a aucun problème. Le problème commence lorsque je veux assurer une partie du capital. Je veux que ce Réhouven, quoi qu'il arrive, je ne veux pas perdre. Puisque finalement... on va d'abord présenter mieux le cas. Je dis à Réhouven, tu sais quoi, je te mets ce vent d'élevage, mais attention, quoi qu'il arrive, sa valeur, tu me la rembourses. Même s'il meurt soudainement par tremblement de terre, il se fait avaler par le... D'accord ? Peu importe. Quoi qu'il arrive, les 1000, tu me les rembourses. C'est du bénéfice, quand il y en aura. Tu prendras la moitié pour toi et la moitié pour moi. Là, on touche à un problème de ribit, bien sûr, mais des rabananes. Pour quelle raison? Le principe, il est simple. On ne l'a pas expliqué comme ça dans la Mishnah précédente, mais on va l'expliquer un peu plus profondément avec ce que j'ai mieux compris dans l'histoire. En fait, ce cas-là, il est assimilé finalement. Regardez, c'est exactement comme si que je disais à Réhouven, je te vends un veau, mais je te permets de ne pas me le payer tout de suite. Tu me le payeras dans 2 ans quand tu l'auras fait grossir. Et après, tu me donneras une part des bénéfices. Pourquoi? Parce que dans la mesure, c'est Réhouven qui doit endosser toutes les pertes. Donc finalement, s'il endosse lui toutes les pertes, ça signifie que finalement, moi, l'animal, ça signifie même si concrètement, juridiquement, c'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est assimilé en tout cas au problème. C'est comme si finalement moi je me séparais complètement de mon animal et qu'il devait en théorie me rembourser 1000 et parce qu'il traîne 2 ans pour me le payer, il me rapportera des intérêts. C'est un vrai prêt avec intérêt finalement. D'accord ? En tout cas c'est très assimilé, même si ça a une allure uniquement de transaction et pas une allure de prêt comme on expliquait, c'est quand même interdit de Rabbanan. Mais en tout cas vous voyez ici le grand problème. Alors la Mishnah précédente nous enseignait qu'il fallait nécessairement trouver, en m'engager à moi aussi à assumer les pertes. Pas entièrement, mais la moitié. C'était la première notion expliquée. C'est-à-dire, l'animal coûte 1000, à titre indicatif, on va parler de 2 animaux qui coûtent tous les deux 500, d'accord? C'est plus facile pour s'exprimer. On va, au lieu que je lui mets les deux petits veaux qui coûtent chacun 500, donc 1000, que je les mets uniquement en dépôt et que lui, il assume les pertes, alors je vais lui dire, tu sais quoi, on va faire comme ça. La moitié, c'est moi qui assume, l'autre moitié, c'est toi qui assume. Puisqu'il y a 2 veaux, en fait, il va s'avérer que un veau, et ça reste le mien, j'assume les pertes. L'autre veau, je le mets en dépôt avec ce fameux principe que Coquelin, c'est lui qui devra me l'embourser. Donc c'est assimilé à un cas de prêt avec intérêt. Et en fait, je vais lui dire comme ça, tu sais quoi, regarde, 500 sur mon veau, tu l'élèves, tu le fais grossir, tu me rapportes tous les intérêts pour moi sur le mien. Et sur ta partie, tu te débrouilles toi, et tu vas toi toucher tous les intérêts tout seul sur ta partie, et c'est parfait. Tu vas toucher toi ta part sur les intérêts, donc finalement c'est comme si je te l'ai vendu à 500 et je t'ai dit tu me rembourseras dans 3 ans. Seulement, on a un problème encore technique, c'est que ce fameux Réhouven, c'est pas un pigeon. Pourquoi il se met à élever mon veau gratuitement?
Ouais, lorsque j'ai mis les deux veaux, chacun 500-500, qui vont ensuite rapporter ensemble 5000, il va me donner 2500 qui va correspondre en fait à mon veau, et il va garder lui 2500 pour lui, enfin on sait les 500, il va garder les 2000 pour lui. On a un problème technique. Pourquoi il travaille sur mon veau gratuitement? Ma réponse simple, parce que j'ai mis, parce que je l'ai aussi vendu et prêté l'autre veau, d'accord? Ouais, pourquoi il travaille pour toucher sa moitié? Parce qu'il veut aussi faire fructifier mon argent. Et pourquoi il fait fructifier mon argent gratuitement? Parce que grâce à moi, il peut lui aussi faire fructifier son argent. Alors là, on a un problème de ribite, en fait, un vrai problème de ribite. Un sra amtanat maot, un salaire sur le fait qu'il traîne pour me rembourser. Parce que je lui ai donné la possibilité de me rembourser dans 2 ans, alors il se met à élever gratuitement mon veau. Donc c'est pour ça qu'on avait expliqué qu'il fallait que je lui paye aussi une petite paye sur le travail de mon veau, d'accord, qui est poël, comme un poël zol, comme un employé au minimum. Il fallait aussi que, précision importante, il fallait aussi que je lui donne les frais de nourriture du petit de mon veau aussi, d'accord. Comme ça, on arrivait que finalement, on pouvait pas, on se partageait pas juste 2500, c'est-à-dire, il me rendait les 1000, en fait, on se prenait 2000. Non. Il me rendait les 1000 parce que c'est mon investissement. Et il prend lui 2000 parce que c'est son travail. Et sur les 2000 qui me reviennent, il devait me prendre pour lui un petit 250 shekels sur le fait qu'il a fait paître un veau, d'accord? C'est plus que ça peut coûter. Et puis en plus de ça, donc sur le travail investi, et encore un petit 50 shekels sur le foin, que la paille que le veau y mangeait. Et comme ça, ensuite, il me remboursait, au lieu de me rembourser 2000, il me remboursait, disons, 1700. Et comme ça, il touchait une part quand même pour son travail. Et alors ça, c'était la manière permise. C'était ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Dans notre Mishnah, maintenant, on va apporter plusieurs précisions. D'abord, on commence avec le premier cas tout de suite. Shamin para vachabor vechol davar shehose veochel lemechetza. Regardez, là, on revient sur le fait qu'on va mettre en élevage l'animal chez ce Réhouven. On va se le partager moitié-moitié, et cette fois-ci, il n'aura pas besoin de déduire son travail, ses heures de travail et le foin consommé, la paille consommée par la vache. Pour quelle raison? Parce que cette fois-ci, on est en train de parler d'une para ou d'un chamor, une vache ou un âne. Il s'avère que ces animaux sont très productifs. Alors, une vache, elle produit du lait, un chamor, il produit du travail, et de ce fait, je peux lui dire, tu sais quoi, je le mets en dépôt, comme précédemment, Mertza, la moitié, t'assumes toi la perte, et l'autre moitié, c'est moi qui assume la perte, et là, je n'aurais pas besoin de lui rajouter la moitié du travail pour la moitié sur le fait qu'il a travaillé sur ma moitié, étant donné que, contre le travail investi, il a un avantage durant ces 2 ans, qui peut lui-même exploiter l'animal, la vache pour en tirer du lait, ou l'âne pour le faire travailler et toucher par là, et par là se faire rembourser sa perte. C'est une notion très simple. Si déjà, je vous l'introduis, on le refera ensuite plus clairement, mais je préfère d'abord sauter sur Rabban Shimon ben Gamliel qui nous dit « Shamin Egel imimo » ou « Siach imimo ». D'accord, je saute pour le moment la phrase du milieu, la deuxième partie de la Reisha de Tanakama, et j'arrive sur Rabban Shimon ben Gamliel parce que ça touche encore au même principe. Rabban Shimon ben Gamliel nous dit comme ça, tu sais quoi? Tu peux même, si tu veux, donner Egel im imo, un veau avec sa mère, ou Siach, c'est un petit âne, avec l'âne, la naisse mère, quoi. C'est-à-dire, il me dit, Rabban Shimon ben Gamliel, selon le même principe qu'on vient d'apprendre, qu'un animal qui est productif, alors on n'a plus besoin de rajouter, de déduire de la part de l'investisseur, de déduire les heures de travail et le foin, et la paille, et la nourriture de l'animal. On n'a plus besoin de les déduire parce que l'animal est productif et que l'éleveur, lui, récupère par le fait qu'il peut exploiter l'animal pendant ses 2 ans, il récupère son investissement dans le travail. Rabban Shimon ben Gamliel me dit maintenant, sache que le principe sera le même si tu mets aussi une vache avec son petit veau, ou encore un âne avec une ânesse avec son petit âne. Qu'est-ce qu'il veut me dire Rabban Shimon ben Gamliel? C'est simple. Il me dit, tu sais quoi, puisque la mère est productive, ça suffit, sa production, pour couvrir aussi les frais du petit veau. Et Chachamim sont en discussion sur ça, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont dit, chaque animal, c'est un investissement indépendant. Et chaque animal, il doit soit être lui-même productif,
Et si lui-même n'est pas productif, tu dois lui donner en compensation sur son travail une petite part. D'accord? Je déduis que, en fait, en réalité, je comprends, quoi, je suppose que la production de l'animal n'est pas assez conséquente pour pouvoir couvrir tellement les frais. Seulement, Rabban Shimon Ben Gamliel, il me dit, tu sais quoi? C'est un même investissement, c'est un même placement. Donc c'est un même placement qui est productif finalement, grossièrement. Donc ça suffit maintenant, c'est pas lui la peine de lui déduire les heures de travail et tout ça, puisque finalement il touche en compensation par le fait qu'il peut exploiter la mère. Et Khamim lui dit non, ça marche pas, il doit exploiter du petit veau. Or le petit veau il n'est pas productif, de ce fait, du veau tu vas devoir lui déduire les heures de travail et lui déduire aussi la nourriture. C'était clair? Je pense que Baruch HaShem, on commence à avoir clair. Quoi. Très bien. Maintenant, on va faire la deuxième partie de la Mishnah, de la suite, après la première phase. On va faire ça dans les mots, à la CDR. Shamin para vachamon vechol davar sheoseh veochel lemechta. Donc, une vache et un âne, on a le droit de les mettre en placement à moitié-moitié, donc moitié perte, moitié perte pour lui, moitié perte pour moi, et on se partage le bénéfice moitié-moitié, et on n'aura plus besoin cette fois-ci de déduire les heures de travail et de déduire aussi la nourriture de l'animal, étant donné que l'animal est productif et que l'éleveur compense sa perte par sa perte de temps, sa perte de nourriture aussi, par le fait que l'animal est productif. Donc ça y est, on est ex aequo et il pourra me donner la moitié des intérêts complètement. D'accord ? Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Makom shenagul achlok et avladot miyad cholkin. Makom shenagul egadel yegadelu. Alors là, c'est pas compliqué du tout. Il faut juste comprendre concrètement de quoi on parle. On parle cette fois-ci que j'ai placé une vache en élevage pour qu'elle produise des veaux. Et ce qui se passe, c'est que donc elle va faire des veaux et la Mishnah nous enseigne si l'usage de la contrée est après une courte durée de 1 mois ou de 50 jours, on vend tout de suite le veau, alors on vendra le veau tout de suite, on partagera les bénéfices entre l'éleveur et l'investisseur. Mais si l'usage est d'élever, après de continuer à élever pendant 2-3 ans le veau, alors on pourra aussi élever le veau. Il n'y a pas de problème de quoi on parle exactement. Il y a oui un problème, comme ça on va mieux insister sur le problème. Ça, cette Mishnah, elle a l'air de contredire la Mishnah précédente. On apprenait dans la Mishnah précédente que lorsqu'on met un veau en élevage, il faut forcément donner, en plus de la moitié de la valeur du veau, il faut en plus de ça déduire les heures de travail et la nourriture. Comment la Mishnah peut me dire que cette fois-ci, que l'éleveur pourra élever et on se partagera moitié-moitié? Mais pourquoi on ne va pas lui déduire sa part? La réponse, elle est très très simple. Elle est que, dans la mesure, cette fois-ci, c'est-à-dire dans le... À la différence de la Mishnah précédente, là-bas je plaçais en élevage le veau lui-même. Et s'il y avait un accident sur le veau, alors il devait lui-même rembourser le veau. Or là, le veau, il ne devra pas me rembourser le veau. Il devra me rembourser la mère uniquement. Ce que j'ai placé chez lui, c'est la mère. Donc s'il y a un problème, la mère qui coûtait 1000, alors il devra me la rembourser s'il y a un accident chez elle. Mais si la mère met bas, dans la mesure où on ne s'est pas encore assis pour partager les intérêts, on n'a pas encore décidé quel veau lui appartient à lui, quelle partie lui appartient à lui, quelle partie à moi. Alors, dans ce cas-là, on se retrouve dans une situation où finalement, il n'a pas de perte. C'est-à-dire, la perte, elle n'est pas que pour lui. De ce fait, il n'y a plus besoin de faire tout ce système de compenser les pertes. D'accord? Il n'est pas plus engagé que moi, concrètement. D'accord? Le principe est clair? Je recommence encore une fois, au cas où je n'ai pas été assez clair. Je place chez lui une vache qui coûte 1000. La vache, je la mets pour 5 ans chez lui. Pendant ce temps, la vache, elle va produire, elle va plus même grossir, supposons même. On pourra se partager les intérêts, et moitié-moitié de la vache elle-même, et même plus que la vache. Même si la vache va mettre bas, elle va nous faire 6 veaux, on va se partager 3 veaux. Oh, on sait moitié-moitié. On apprenait qu'il y a un problème, qu'on n'a pas le droit de faire moitié-moitié, sauf si je lui donne compense les heures de travail sur ma moitié. Ouais, c'était la Mishnah, de ce qu'on apprenait dans la Mishnah précédente. Alors le principe, il est vrai. Il y a une finesse à vrai. Ouais, c'est-à-dire, d'accord, on apprenait que je dois forcément lui compenser. Alors la Mishnah, cette fois-ci, nous enseigne, tu dois lui compenser uniquement lorsque, s'il y a une perte sur cet animal-là, c'est lui qui doit l'endosser, alors tu dois lui compenser. Or, là, s'il y a une perte sur l'animal,
Étant donné que j'ai passé la vache, on se donne rendez-vous dans 5 ans maintenant pour faire les comptes ensemble. Alors, sur les veaux, s'il y a un veau qui est mort en route, il ne devra pas lui me le rembourser, puisqu'il ne devra pas me le rembourser. Donc, je ne dois rien lui compenser, puisqu'il touchera uniquement... on revient maintenant au principe. Alors, lorsque je mets uniquement un animal en élevage, et que toute la perte, elle sera pour moi, c'est-à-dire l'essentiel, ouais, il y aura deux pertes. La perte, ce sera pour moi, finalement, puisqu'il ne devra rien me rembourser, étant donné qu'on n'a pas placé le veau en élevage. Il y a ici une petite finesse. J'espère que j'étais assez clair. Je fais de mon mieux. Entre parenthèses, ça fait 4 fois que je recommence cet enregistrement. Je ne pense pas que je recommencerai une 5e fois. Et voilà, je pense que quand même, on a bien compris. On continue ensuite. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shamin Egel Imimo, Siach Imimo. Donc ça, c'est ce qu'on expliquait précédemment. Lorsque je place un veau avec sa mère, avec la vache, alors, puisque la vache produit, Rabban Shimon ben Gamliel me dit, ce n'est pas la peine de lui donner une compensation sur l'élevage et sur les heures de travail pour le veau, même si le veau n'est pas productif, parce que la mère est productive. Et Rabbi Monsou Cholkim, parce qu'ils nous disent, chaque animal que tu places, il doit lui-même s'autofinancer, et s'il ne s'autofinance pas, tu dois lui donner une compensation. D'accord ? On a fini avec ce sujet, et puis maintenant on passe dans la dernière partie de la Mishnah, où ma frise al sadeu ve'eno choshesh mishum ribit. On illustre le cas tout de suite. En théorie, il y avait c'est comme à l'époque, d'accord ? Il y avait des grands riches qui avaient des champs. Et ils partaient voir les agriculteurs venaient le voir et lui proposaient, regarde, pour tant d'hectares, je veux le prendre, ce terrain, je l'exploite, je te paye à l'année 10 tonnes de fruits. D'accord ? C'est déjà un peu trop abusé. Une tonne de fruits, je te donne. Et le riche, ça intéresse lui. Il possède ses terres, il y a des agriculteurs qui viennent, ils en font ce qu'ils veulent, mais quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, il touche une tonne de pommes. D'accord ? C'est le prix à l'hectare ou pas. Bon. D'accord ? C'est comme ça, c'est les conditions que ça se passe. C'est de cette manière que ça se passe en général. Ce qui se passe, c'est que là, il y a un agriculteur pauvre qui arrive, et il lui dit, j'ai un problème. C'est que pour bien faire pousser les fruits, moi, j'aimerais bien avoir un prêt de toi, qu'en plus de... j'aimerais bien avoir un prêt que tu vas me prêter 1000 shekels, euros, comme ça je vais pouvoir acheter des engrais et mieux faire pousser des fruits. Et en compensation, au lieu de te donner une tonne, je vais te donner 2 tonnes. D'accord ? C'est à titre indicatif les chiffres, c'est pas important, c'est un peu trop bizarre mes chiffres. Mais... Donc bon, en théorie, je devais lui donner 1 tonne, et puis là je vais lui donner 1,5 tonnes. D'accord ? Alors là, on a un problème. On a une question. Est-ce qu'il y a ici un problème de ribite ? Regardez, il va me prêter 1000 shekels. 1000 shekels, en théorie, ça ne devait pas lui donner un droit d'avoir une demi-tonne de fruits supplémentaires. Ce n'est pas exact. Ça aurait dû être un quart de tonne, mais pas une demi-tonne. Pourquoi je lui donne plus ? Ouh, ça ressemble au fait qu'il me donne de l'argent. Il me donne 1000 shekels et moi, je vais lui rembourser ensuite la valeur de 1500 shekels. Alors, s'il devrait avoir un problème de ribite ? La machine nous enseigne, dans ce cas-là précisément, il n'y a pas d'interdit de ribit. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on va interpréter que l'argent qu'il m'a donné pour acheter des engrais, c'est pas qu'il m'a prêté de l'argent et que moi ensuite je vais faire fructifier l'argent et je lui rends plus. Non. Puisque je lui demandais l'argent pour acheter des engrais, j'ai précisé, alors lorsqu'il va me donner l'argent, ça va être pour acheter les engrais. Comme ça, moi je vais mettre les engrais et je vais lui donner 1,5 tonnes parce qu'en fait, je vais avoir une terre plus fertile. Je lui ai tout simplement demandé d'investir. Regarde, on va finalement illustrer en paraphrase ce qui s'est passé quand je lui ai demandé un prêt de 1000 shekels pour mettre des engrais. C'est pas que je lui ai demandé un prêt de 1000 shekels pour lui mettre des engrais que je vais lui payer plus. Non, 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 c'est pas comme ça. Je suis parti lui dire, je lui ai dit, tu sais, c'est dommage, ta terre, elle est pas assez fertile. Investis 1000 shekels dans ta terre, donne-moi une terre plus fertile et je te donnerai 1,5 tonnes. Moi aussi, j'aurais de quoi gagner dans cette histoire. Vous avez compris ce qui se passe ? Comme ça, on va interpréter le fait que je suis parti lui demander de l'argent pour investir dans son champ. On considère qu'en fait, je lui demande tout simplement d'investir lui dans son propre champ pour me donner une terre plus fertile. Et est-ce que je vais lui donner plus d'argent ensuite, plus de fruits ? Ce ne sera pas en compensation à l'argent qu'il m'a prêté. Ce sera en compensation au fait qu'il m'a donné une terre beaucoup plus fertile. Donc j'ai plus d'intérêt, moi, à lui donner une part plus grande, dans la mesure où moi aussi, j'aurais plus à gagner. D'accord ? Le principe est clair, on fait ça dans les mots. Ou ma frise, la sadeo, mais la chaîne, la frise.
abusé. Ça veut dire on donne un prix avec abus. On donne beaucoup plus que ce que ça coûte sur un champ. Entre parenthèses, s'il lui demande un prêt pour investir dans des engrais, il y a une Girsa, il y a une version de la Mishnah qui a écrit « Mafrine », ce sera rapporté dans le Barthénora. « Milachon paré verabé », quelque chose qui se multiplie. Donc on va faire en sorte que le champ va être beaucoup de meilleure qualité. « Venochoshesh mishon ribit », il n'y a pas de problème de ribit, d'interdit de prêter de prêt avec intérêt dans un tel cas. Donc il n'y a pas un interdit de ribit sur le fait qu'il m'a donné 1000 et que je lui ai donné une demi-tonne supplémentaire, comme ce qu'on a expliqué, et puis maintenant on fait tout ça dans les mots, Bezat Hashem. « Shamin para vechamor », alors le Barthénora nous dit « Shamin para », on met en place, en élevage, une vache gdola, vechamor gadol, une vache grande, et un âne grand, chez Reuin et Mlacha, qui sont aptes à travailler, au Melartan Kula la Mekabel, et dans un cas pareil, on dit, et on pourra poser comme condition que l'éleveur lui-même, ce sera lui qui touchera à 100% ce petit bénéfice en route. Les Mechetza, l'Achlok Shvar, chez Ishbechou, Bedamim ou Bevladot, pour partager moitié-moitié la plus-value de la valeur, s'il grossit, ou bien des vladotes, si toutefois c'est une vache qui va mettre bas des petits veaux. Ensuite, la deuxième partie de la Mishnah nous enseigne, « Makom shenagu l'achlok et vladot miyad », si l'usage est de partager les petits veaux tout de suite, « Kshetavo » il nous explique concrètement comment ça se passait, « Kshetavo sh'at halokatan », lorsque le moment de les partager viendra. Bebema daka 30 yom. Pour le menu bétail 30 jours. Ubagasa 50 yom. Pour le gros bétail c'est 50 jours. Je sais pas pourquoi il fallait attendre ces 50 jours. Je sais pas à quoi ça correspond dans la croissance d'un veau ou d'un menu bétail ou d'un gros bétail. D'accord ? En tout cas c'était les usages de l'époque. Shamin Egel im imo. La suite de la Mishnah maintenant, c'était Rabban Shimon ben Gamliel qui nous enseignait ça à l'Acha. Qu'on pourra aussi mettre, placer en élevage un Egel, un veau, Aïmimo, avec sa mère en même temps qu'il allait. Il nous précise, ve en tsarich liten amal ou mazon la egel ela la em. Et il n'aura plus besoin de donner le prix de rajouter un petit salaire sur le amal, sur la peine, le travail, et le mazon, la nourriture du petit veau, ela la em, mais tout est inclus dans l'apport de la mère qu'elle va nous faire elle-même. D'accord ? Je vous expliquais la Mishnah hein, grâce au Tiferet Israël. Dans le Partenariat, il y a un petit problème de mots, mais je préfère plus rallonger à ce niveau-là de la Mishnah. L'alakha n'est pas fixée comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ensuite, on est dans la deuxième partie de la Mishnah, la dernière partie de la Mishnah, sur l'histoire du champ où on demande le prêt. Il nous dit le Partenora. Ou mafrin al-sadeu. Regardez les mots qu'il y a écrit dans le Partenora. Dans la Mishnah, il y a marqué ou mafrise al-sadeu. Partenora nous dit ou mafrin al-sadeu. C'est-à-dire quoi mafrin avec un nom de sophite? La chambre pérévera avec quelque chose qui se multiplie. Veille des garçons ou ma frise, Bezaïn. Et il y a des livres où la version est ou ma frise, qu'il va abuser, faire et donner beaucoup plus que ce que ça coûte. La chambre prazot teshav Yerushalayim. Klomar marriv al sadeu. Il élargit sur son champ, il va payer plus. Veo sheyomarlo, il ne sait que maintenant. Veo sheyomarlo, choker la markir. Ou socher la maskir. Non, choker la markir, c'est mieux. Il va dire l'agriculteur à l'investisseur. Toi, tu as l'usage de prendre en bail pour ton champ. Choker, c'est celui qui prend un bail, c'est un peu la même idée. D'accord, tu as l'habitude de prendre en bail pour ton champ qu'on te donne Esser Kour Leshana, une mesure de 10 cours de fruits. D'accord, un cours, c'était une mesure de l'époque. Donc tu as l'habitude de prendre, disons, 10 tonnes de fruits. Alveni Mataim Zouz, prête-moi 200 Zouz, tout de suite. Chez Ouchal Leotzi les Abel, Sadezoum, Ulzora, Ulchorcha. Prête-moi tout de suite 200 Zouz, afin que je puisse mettre des engrais dans ce champ, et mieux la labourer, et mieux là, ensuite la semer. Vanim Alelecha Bechakiruta, Yudbet Kourin. Et je vais te donner, à la place de te donner 10 comme tout le monde, je te propose de te donner 12 les Shana. Et en plus de ça, je vais même te rendre ton argent, tes pièces. Zen Moutar, il est permis de faire ça. C'est-à-dire, ce que tu me. D'accord. D'avec Keilou Ma'adif Losh Nekurim Alalu, Mipneche Choker Mimenu, Sade Tova ou Meshubachat, Shechakiruta Yafa Mechakirut Sade Ra'a. Parce qu'on considère, d'avec, car c'est Keilou Ma'adif Losh, comme si qu'il lui donnait en plus. Shnei Kourin Alalu, les deux cours supplémentaires, pourquoi ?
Par le fait que grâce à toi maintenant, je vais pouvoir prendre un bail d'une affaire, d'un champ, qui est beaucoup mieux, beaucoup plus fertile. Parce que maintenant, on est plus intéressé, on est prêt à payer plus cher pour un bail de quelque chose qui est beaucoup plus productif. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Vraiment, la Mishnah n'était pas évidente. Et même moi, j'ai eu quelques petits problèmes à la comprendre. Mais je pense que, Begadol, on a tous bien compris. Bonne journée et rendez-vous demain. Kol Tov, c'est là.